Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Donc nous sommes là pour tester Windows 10, la version Minecraft bêta que j'ai reçue gratuitement. Donc on va essayer tout simplement la version Windows 10 qui est sur PC. Donc déjà une bonne nouvelle, c'est que je pourrais vous faire des aventures sur cette version-là parce qu'elle est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à manipuler par rapport à l'autre version. Tout simplement regardez la dernière fois quand j'ai regardé, voilà, regardez comme c'est fluide et c'est du 720, c'est largement suffisant pour les vidéos. Donc voilà, je pourrais vous faire des vidéos sur Minecraft, mais avec la version Minecraft Windows 10, quoi, parce que tout simplement l'autre version ça marche pas parce que c'est du Java. Hein. Si c'est pas du Java, c'est autre chose, je sais pas quelle version c'est. Je ne sais pas sur quoi ça fonctionne, mais voilà, c'est vraiment magique parce que du coup, je peux commencer à faire des tests de vidéos. Donc, on va déjà tester, on va voir que si ça donne bien. On va mettre difficile, simple. Ça, troisième personne. Donc, comme vous voyez, c'est bien mon skin. Donc, c'est bien mon skin qui est présent. Donc, on peut très bien changer de skin et pas forcément garder le skin par défaut qu'on a. Les skins très moches d'ailleurs en parlant, en passant. Alors attendez 2 secondes. Option. Donc c'est une... Moi je l'ai reçu gratuit parce que j'étais le détenteur de la possession de Minecraft Java. Donc vous recevez sur un... vous allez sur Mojang et vous recevez un code gratuit pour ce jeu. Et c'est génial. Alors ça, sincèrement déjà il est le jeu à un bon point, c'est que je peux... Non. Bon, ça je désactive. C'est que je peux tout simplement faire des parties fluides. Et ça, c'est déjà un bon point pour le jeu. Ce que je n'ai pas pour l'autre version. Donc, c'est déjà un point que je donne. L'autre version, je peux pas. Sur une carte Intel Family, je peux pas faire des si bons. Test bon. Voilà quoi, c'est tout simplement ça. Après, c'est pas forcément fou. Il y aura souvent quelques lags, mais je veux dire, c'est magnifique. Je peux déjà faire mes meilleures qualités et des fluidités surtout. Donc, comme vous voyez, le Minecraft sur Windows 10 est vraiment bien. Vous pouvez vraiment aller loin avec. Du fait que moi je vais aller loin d'ailleurs. Je vais peut-être me faire défoncer aussi, mais bon, c'est autre chose. Donc pendant ce temps-là, hein, on voit but. Donc voilà, c'est un Minecraft qui peut être intéressant. Après, je sais pas s'il y a des fonctions. Oui, peut-être. Pardon. Ah, mais je suis calé. Ouf. J'ai fallu créer. Ouf, c'est quoi ça? Ah oui, c'est mon identifiant Xbox, d'accord. Oui. Oh putain, c'est chaud. Ah. Avance un peu. Je vais changer ce pseudo hein, d'identifiant d'Xbox, c'est moche. Je sais pas encore comment on fait, mais bon. Donc déjà, regardez comme il est beau. Voyons voir. Pas changer ici le pseudo d'ailleurs. Semblait que oui. Déjà, on va tenter un truc. Ah, dommage. Il y avait, comme dans l'autre version, il n'y a pas moyen de rebooter. Bon, déjà, on va voir quelque chose avant de continuer. On peut voir ensemble, hein, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, c'est ça mon pseudo. Il est moche et horrible, j'ai envie de le changer. Comment je peux faire ça? Ah, je ne peux pas changer. Il faut que j'apprenne à savoir comment changer ce pseudo, parce que player, machin... On arrangera ça plus tard.
Quoi ça? Ouais, j'y touche pas. Donc voilà, on va de retour. Déjà, on va renommer notre monde. C'est un peu moche. Ouais, mais... Déjà mieux que l'autre. Je sais pas quoi mettre comme nom. Si vous avez des propositions dans les commentaires, je changerai pas votre proposition de nom. Donc voilà, comme vous voyez, c'est fluide. Et aussi, je vais me faire déglinguer, mais bon, ça, c'est autre chose. Vais me faire déglinguer par une araignée, je sais. Entendu, là, la fourbe. Voilà, elle est là. Voilà, elle m'a tué. Félicitations, l'araignée, tu m'as tué. Et après, le souci, c'est que voilà, il faut être doué. Et moi, je ne le suis pas. Donc, surtout qu'on peut pas. Le seul défaut, c'est qu'on peut pas, comme tous les. Comme ceux sur truc, on peut pas tout simplement faire le truc, quoi. Faire le passage de time machin pour pouvoir aller plus vite. Et non, hélas, ça c'est le seul défaut qu'il y a avec ces versions Pocket, ils sont tous pareils. C'est ça en fait le souci, c'est ça quoi. C'est le seul souci qu'il y a. Mais sinon après c'est déjà pas mal pour faire des vidéos. Après il y a des mini-freeze, ça j'ai remarqué. Mais je veux dire sinon c'est quand même pas mal. C'est quand même plus fluide que les autres. Par rapport aux autres, c'est beaucoup plus fluide. Ça c'est déjà un bon point. Me tirer. Ah, j'ai un Oscar qui m'a vu. Un zombie, mais j'ai pas peur des zombies. Les araignées, c'est trop rapide. Voilà. Tranquillou. Non. Des idées. Tenté de. Tiens, il me semblait avoir récupéré du bois, c'est bizarre. Ah, mais fils de. Après, c'est pas très classe, hein, j'avoue. On voit mes trucs et tout, mais bon, après, voilà, on n'a pas tous un PC malade. Moi, c'est un Intel. Et ici, si ça me permet de faire des vidéos comme ça avec Minecraft, ben ce sera sur cette version-là que je ferai des vidéos. Parce que l'autre, hélas, depuis que je suis passé sur Windows 10, ça lag à mort. Même en basse qualité, c'est fichu, quoi, ça marche plus. Donc j'en suis navré, hein. Je peux plus du tout vous faire de vidéos. À cause de ça, tout simplement parce qu'il y a un souci au niveau du. Ouais, voilà, n'importe quelle version, ce qui compte c'est de voir l'intérêt. Après, je sais pas si on s'est rajouté des maps. Mais pour l'instant, on teste la version, on s'en fout du reste. On teste le Minecraft, hein. Qu'est-ce que j'allais faire d'ailleurs? Parce que ah, oui, des bâtons. On teste le Minecraft, on n'est pas là pour. À quoi que ce soit d'autre. Hein. Le but c'est de faire le test ici et rien d'autre. On verra pour la suite. Là, quoi. Ce qui nous servira un peu à rien, mais un boss. Je vais récupérer encore un peu de machin. Ça peut être intéressant quand même si c'est fluide comme ça. Je peux vous faire des vidéos sur ça. Je peux vous dire que j'étais dégoûté quand j'ai vu que je ne pouvais plus vous faire de vidéos sur Minecraft parce que ça ramait à mort. Il y a des mini-freeze, mais sinon ça va déjà beaucoup mieux. Normalement, ça doit déjà aller beaucoup mieux. Voilà quoi, c'est dommage d'avoir ce genre de soucis.
Après, vous voyez mes icônes et tout, mais c'est pas très grave ça. C'est que des icônes quoi, vous savez rien faire avec ça. Voilà. Et vous savez voir en même temps quand je vérifie peut-être aussi. Mais bon. Ah non, ça vous savez pas. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour dire, c'est intéressant quand même. Et du coup, je vais pouvoir recommencer des tests de let's play. Voilà quoi. C'est surtout que ça me fait plaisir parce que après ce sera bien sûr pas sur des maps, donc ça risque quand même d'être pas terrible par rapport à des maps où on peut déjà avoir des choses intéressantes. C'est vrai, mais bon voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Alors en même temps je vais peut-être m'enfuir dans le truc, pas peut-être intelligent. Et on pense que Microsoft va nous faire payer pour les packs de textures, j'en sais rien du tout. Fort possible, on verra bien. Ça serait dommage, hein. Nous fasse payer. Et qui sait, peut-être que les shaders chez eux fonctionneront mieux que sur PC. Enfin, prendront moins de puissance, peut-être parce que ce sera des faux ou un truc dans le genre, je sais pas. Ça reste encore un mystère tout ça. Je peux pas vous expliquer quelque chose que je ne sais pas encore. En tout cas, c'est sûr et certain que ça va être intéressant. Moi, je ne vais pas mettre une lettre à dire. Je suis libre. Libre comme un. Comme un. Je veux dire, regarde. Regardez cette fluidité par rapport à l'autre version. Normalement, ça doit être fluide. Quand je lag, ça lag dedans. C'est savoir quand je lag ou pas. Donc, ça, c'est magique. C'est à 30 FPS, bien sûr, mais c'est magique, quoi. Je sais pas si. Je pense pas qu'il y a. Bon, en tout cas, pardon, c'est une redécouverte pour moi, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir refaire des vidéos sur Minecraft comme ceci. C'est vraiment magique. Ça me permet d'un peu profiter et de parler un peu de tout et de rien avec vous. Bien sûr, c'est pas du Minecraft comme tout le monde connaît. C'est vraiment du Minecraft what the fuck. Et surtout aussi, c'est que on peut pas stopper la pluie du coup, puisque comme vous l'avez compris, les trucs de commande ne sont pas disponibles. Donc, youpi, de la pluie, c'est ce qui fait le plus chier. Ben, tant pis, vous êtes tout simplement obligé de la supporter, comme dans la vraie vie. C'est génial, hein? Non mais c'est le seul petit défaut, mais c'est pas le seul à faire ça. Ils le font tous. Ils le font tous. Le font vraiment tous sans exception. Donc c'est pour ça qu'il faut pas blâmer forcément cette version-là. Ils sont tous dans ce domaine-là à faire ce genre de soucis. Ah merde, j'ai vu ça, c'est. Ces arbres-là, je les aime pas trop parce que il y a trop de machins. Pas mal, mais on va encore. Ce sera un petit chat, un petit chat. Sera un petit test de Microsoft de la version Windows 10. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment pas mal déjà pour. C'est réussi quand même, hein, c'est fluide et tout. Après, oui, c'est pas comme Minecraft sur Java. C'est vrai que Minecraft Java c'est mieux dans le sens qu'il y a les mods gratuits. Faut aussi avoir des virus. Et voilà, et tout ça, il y a les shaders et tout. Ça, je confirme, Minecraft sur PC, la version Java elle sera toujours meilleure. Mais pourquoi pas, ils peuvent très bien tout simplement utiliser la version là quoi.
Par contre, le souci que moi j'ai, c'est que j'ai déjà acheté Minecraft sur mon Windows Phone. Donc j'ai déjà payé parce que je ne savais pas que c'était possible ça de recevoir un code. Donc du coup, sur mon Microsoft Lumia 640 LTE, ben j'ai payé la version Microsoft quoi. Windows. Donc tant pis, hein, j'ai payé pour rien. Bon, maintenant c'était pas le même prix, hein. Dans les 6 euros et quelque chose, et que ici c'est dans les 7 ou 8 ou 9 euros plutôt, donc c'est pas la même chose à prendre en compte. Ah, vous voyez ce genre d'arbre, ça m'énerve, c'est chiant. Toujours Edit retouche. Alors oui, ça peut poser problème du coup, parce que comme il pleut, ça peut faire laguer le truc. Ça c'est pas très classe, mais bon, après c'est pas très grave, hein, en soi. Ce qui compte, c'est que ce soit assez fluide, et ça l'est. Enfin, ça lague un peu à cause de la pluie, mais je veux dire, sinon c'est ça va quoi, c'est pas mal. Et puis je peux très bien faire que ça soit moins aussi lagant, parce que simplement, regardez, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais, que je vais simplement réduire le render distance, donc ça va permettre que le jeu sera plus fluide normalement. Donc voilà, c'est pas perdu, c'est largement suffisant, hein, pour les débuts, hein. Je peux y jouer hors ligne en version fluide, mais ici j'y jouerai en version non fluide. Pardon, en version. Enfin, vous avez compris où je veux en venir, quoi. J'y jouerai avec le render distance un peu plus bas. Désolé avec le E, mais il faut le temps que je réfléchisse à ce que. De toute façon, si ça plaît pas, j'ai rien à foutre. Alors. Non, mais j'ai pas encore l'expérience de youtubeur, comme quoi je ne sais pas comment ils font pour pas faire des E à chaque fois, mais bon. Voilà, moi je pars du jour au jour. Donc on peut aller explorer éventuellement les grottes, mais le souci. Oui, prends-toi une claque. Ici. Encore, viens ici. Tout de suite. J'ai l'impression à parler à mon chien. Ouh, j'ai deux. Oh, il est mort. Ripé. Bon, alors. Je voudrais des minerais, donc c'est bien que. Et ça, mais. Sécu. Là, c'est pas très sécu, pour ma part. Toujours pas très sécu. Ah merde! Pas très très sécure, hein. Très sécure. Bon, alors ou pas, parce que du coup j'ai pas accès au dessus. Hop. Donc comme vous voyez, on est en train d'explorer ensemble qu'est-ce que ça peut donner. Déjà la luminosité est à max, donc pour vous, si vous êtes tranquille, vous verrez très bien. Après, j'ai pas vérifié. Normalement ça devrait aller très bien, donc comme vous voyez, hein, tout fonctionne, pas de crash ni de problème sur cette version là. Donc je rappelle, pour ceux qui ont la version Windows 10, Windows pas quoi, quel Windows c'est, mais en tout cas, si vous avez là inscrit via Mojang, puisque c'est via Mojang qu'il faut l'acheter, eh ben vous pouvez tout simplement réclamer votre code de cadeau et avoir ce joli code. De joli cadeau, que je trouve que c'est un très beau cadeau quand même, parce que c'est une nouvelle sorte, un nouveau test d'expérience, voir qu'est-ce que ça donne tout simplement. C'est le été. Donc voilà, c'est super génial comme test.
peut faire du coup beaucoup de tests comme ça. Et ça, c'est génial. Merde. Ah mais non, dégage, imbécile. Ah, venez. Ben voilà, on va voir où on peut aller. Hein. Pas encore récolter une fois un peu de. Non. Pour être sûr de pas être à court quand on va faire notre propre maison. En tout cas, j'ai perdu ma hache. Voilà. Ben écoutez, on va visiter, hein, on va voir. Ah oui, il y a un truc qui est bien sur cette version-là, sur Minecraft Windows 10. Je trouve ça trop choupinou. C'est ça. Voilà. C'est un petit détail, mais ça donne un petit plus en fait. Des troncs d'arbres sont tombés. Ah, c'est trop beau. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'idée. Il n'y a pas ça dans la version Mojang. J'espère qu'ils vont faire la petite mise à jour avec ça. Même si c'est pas non plus beaucoup, mais je sais pas, j'ai l'impression que la version est plus propre. Le pack de textures donne les couleurs sont beaucoup plus intéressantes, à moins que c'est qu'une impression, ou alors c'est parce que d'habitude je joue sur un autre pack de textures. C'est fort probable aussi. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça vraiment mignon. Non, non, ils ont l'idée, hein, Microsoft. Leur version édition Minecraft Windows n'est pas mauvais. Et loin de là. Il manque beaucoup de choses, ça c'est clair. C'est le premier défaut de cette version-là. Mais comme je dis toujours, hein, laissez-leur le temps de... Parce qu'ils ont d'autres choses aussi à régler sur le côté. Hein. Laissez-leur un peu le temps de faire leurs préparatifs et leur avancement pour pouvoir faire ce genre de choses. Ils vont sûrement l'améliorer. Est-ce qu'ils vont le mettre en gratuit? Je sais pas. Ce sera sûrement déception pour beaucoup, pour moi aussi, parce que du coup je vais être pigeon, je vais acheter s'il y a les shaders ou quoi. Enfin après peut-être pas, hein, parce que si c'est payant et que c'est pas, il faut un PC puissant, donc moi je peux pas les mettre, je peux pas mettre des shaders. Ça fonctionne avec d'ailleurs ça aussi je vais vous le dire, ça fonctionne avec mon PC, mais je peux pas, mon frère m'a dit que je pouvais foutre mon PC en l'air, mais les shaders fonctionnent, il n'y a pas de souci, je peux mettre même les Chocapix et tout. Alors vous allez me dire comment ça se fait que ça fonctionne et que ça ne crache pas. Eh ben tout simplement je vais vous dire pourquoi ça ne crache pas. C'est tout simplement parce que allez, j'en étais où? Ah, j'ai perdu le fil. C'est tout simplement parce que le Minecraft, voilà, mon PC, c'est un Intel Family, on le sait, Intel Family HD et tout. Mais le truc, c'est que il faut pas prendre la version mode. Donc, quand vous avez le choix, vous allez prendre la version Java en mode que vous ajoutez sur. Que vous ajoutez sur tout simplement sur la version PC. Donc ce que je veux dire, c'est que vous allez télécharger le fichier jar de shader score. Eh ben c'est là que le souci rentre. Apparemment, si vous n'avez pas un PC de la mort qui tue, ça fonctionnera pas, ça crachera automatiquement parce que c'est de la merde cette version là. Il faut tout simplement télécharger Optifine. Et avec Optifine, vous pourrez enfin profiter des shaders. Et attention, il y a plusieurs versions d'Optifine, donc vous devez trouver la bonne version où il propose des shaders à pouvoir utiliser. Donc pour ça, tout simplement, quand vous commencez le jeu, eh ben vous allez dans options graphiques et là vous aurez les shaders marqués là où ben, les shaders marqués, c'est tout. Et alors pour que ça fonctionne, hein, j'ai peur. Désolé avec les mobs.
Vous devez tout simplement me mettre à l'abri. Enfin, je croyais me mettre à l'abri. Bon, attendez, je vais mettre que une. Vous devez tout simplement faire. Allez, j'en étais où? Désolé, hein, mais en même temps qu'il y a un monstre qui m'attaque, ça me fait perdre la mémoire, entre guillemets. Donc, j'en étais où? Je vous expliquais comme quoi la version Java ShaderScore. Donc, quand vous téléchargez Forge, vous pouvez installer ShaderScore. Mais le problème, c'est que ça fonctionne pas avec les PC très faibles. Donc, du coup, vous êtes obligé d'installer Optifine, tout simplement, qui fonctionne déjà. Maintenant, Shader, c'est magnifique. Parce que le ciel est différent et il a des trucs de texture et tout. Et vous pouvez tout simplement faire ce que vous voulez. Alors après, le seul souci que vous allez avoir, c'est tout simplement la suite de ce que je vais vous dire. Quand vous allez, donc vous avez déjà laissé, vous avez toujours laissé les fichiers dans les modes shaders de votre Minecraft X machin. Ça, il faut pas toucher, ça reste toujours dans le, c'est toujours le même endroit pour le même pour Optifine. Mais dès que vous allez appuyer sur Shaders, il va vous marquer un truc render fast machin, render fast off machin en anglais. Et ben tout simplement, il suffit d'aller dans performance et vous décochez tout simplement donc vous mettez en off render fast. Donc render fast, render FAST. Et alors du coup, vous pouvez tout simplement voir que vous pouvez accéder à votre dossier de shaders. Et voilà, tout simplement, c'est une des choses que je vous dis pour que vous puissiez ne plus faire l'erreur pour beaucoup d'entre vous. Moi, je sais parce que je sais faire. Mais comme je vous ai dit, hein, ça marche pas. Enfin, je peux pas filmer parce que ça laguerait à mort. Et aussi parce que, tout simplement, je peux pas me permettre, tout simplement, me permettre tout simplement de foutre mon PC en l'air pour montrer un truc. J'ai déjà pris des screenshots. Je pourrais très bien essayer de vous les retrouver un jour pour une prochaine vidéo alors parce que on verra bien si j'arrive à. Parce que je suis un peu nul en montage. Hein. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. C'est même pour ça que je ne sais pas faire vraiment de trucs rajoutés de bazar parce que j'emploie Edit Retouche pour faire mes vidéos parce que je suis. Voilà, j'ai pas de trucs de professionnel comme Sonic Vegas ou quoi. Donc je suis limité. Je peux pas rajouter d'images en plus ce qui donnerait soi-disant un montage plus travaillé. Ben non, hélas, je ne peux pas parce que je n'ai pas le moyen. D'ailleurs, je viens de remarquer que je me suis gouré de skin. Parce que celui-là, en fait, c'est l'ancien skin. J'ai téléchargé de nouveaux skins qui a moins de soucis. Je vais vous montrer tout simplement ça. Retour. Skin. Hop, personnalisé. S'il veut bien. Elle veut pas, hein. Eh ben, elle veut pas, hein. Ah bah dis donc, tu en prends du temps. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Pas celui-là. Ah oui. Ah oui, c'était dans téléchargement, tiens. Voilà. Pire. Voilà, c'est la bonne version. Donc voilà pourquoi je me dis c'est pas normal, c'est pas la bonne version. C'est tout simplement parce que voilà, là il est mieux parce que j'ai corrigé les éventuels petits soucis que j'avais sur mon personnage quand j'avais débuté tout simplement la vidéo. Oui, super, il y a un monstre qui m'attaque pendant que je suis occupé à faire des vidéos. Génial, ben oui, je pouvais rien faire puisque j'étais occupé. Génial, hein? Bon, ben voilà, hein. Je vous dis merci d'avoir suivi mes commentaires, ma vidéo.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Ou alors, tout simplement, on va aller rechercher notre stuff, mais en mode. Pousse terminus. On remet les trucs. On remet la version. Et on va aller chercher mon stuff. Et on se quitte après ça. Donc, comme vous voyez, le Minecraft est pas mal. Hein. Si c'est resté fluide, plus ou moins comme ça, jusqu'au bout. C'est vraiment un bon début pour lui, parce que ça veut dire que moi je vais l'utiliser beaucoup pour mes petites vidéos, mes tests de let's play. Surtout que je peux inviter des gens qui sont sur Xbox Live, je crois, parce que ça me l'autorise. Enfin, je crois, je suis pas sûr, j'ai pas encore testé ça. J'ai pas encore d'amis pour ça. Mais ça peut être intéressant justement pour ça, d'inviter des gens qui font justement ce genre de choses. Se faire quoi être intéressant. Bonsaï. En tout cas, GG Microsoft, c'est pas mal, c'est déjà un bon début. Moi en tout cas, ça me si ça reste fluide, c'est déjà un bon point pour mes vidéos. Après, bien sûr, vous avez encore beaucoup à faire pour l'améliorer, c'est pas encore fini, mais c'est déjà bien. Moi je suis satisfait de cette version, elle est pas mal déjà pour débuter. Oui, parce que quelqu'un qui débute vraiment sur Minecraft, il connaît pas tout ce qui est mode. Hein. Il faut prendre en compte, les gars, parce que au début, Minecraft c'est pas les modes, hein, c'est ni ça, c'est un complément qu'on a pu avoir au début. Minecraft c'est ça, c'est créer des mondes et miner. C'est pas comme on a maintenant avec des suppléments de mode, etc. De pack de textures. Simplement ça, quoi. C'est même pas discutable en ce sens-là. C'est début. Après, oui, bon, c'est quand même discutable dans le sens que ils pourront bien proposer des modes et tout. Mais je pense que ça va être fait, hein, donc vous devez pas vous inquiéter pour autant. Mais je veux dire, si c'est discutable, si vous voulez, mais voilà, c'est vraiment pour des... Je cherche après, hein, parce que comme vous me connaissez si bien, je suis si doué pour en même temps parler et me perdre dans mes paroles. Donc on avait trouvé le fameux tronc d'arbre qui me fait... Oui, mon personnage saute tout seul. Ça, c'est une chose qui est bien avec la version là, c'est que vous pouvez être flemmard et du coup mettre... l'option de saut automatique. Vous pouvez mettre tout simplement l'option de saut automatique, et ça c'est pas mal. Ouais, mais je ne sais pas où j'étais pour mon voilà. Donc pour ceux qui ont Minecraft, donc je dis, pour ceux qui ont Minecraft, n'hésitez pas à télécharger cette version gratuitement. Vous allez sur le site de Mojang, vous connectez avec votre compte, vous faites réclamer votre code, tout simplement. Vous copiez votre code et vous allez, je sais plus où d'ailleurs, parce que où j'étais pour ça. Vous voyez quelque part, hein, et puis vous le réclamez tout simplement, et il va vous le proposer à télécharger. Je sais plus où c'était, parce que c'était un vrai bordel. Mais vous allez trouver, j'ai trouvé, même moi en étant perdu, j'ai trouvé où c'était. En tout cas, il vous dit cadeau, mais c'est pas sur Mojang lui-même qui pourrait demander le code. Hein. Oui, si ça vous marquez code invalide, il faut le faire autre part, mais je sais plus où. Je crois que c'est sur Minecraft, justement, point net. Je suis pas sûr. Mais bon, voilà. C'est la simple chose à faire, hein, simplement. Ben, c'est génial parce que j'ai perdu carrément mon stuff et je ne sais pas où il est. Regardez comme c'est mignon. N'est-il pas mignon tout ça? Bon ben les gars, je suis désolé, je ne retrouve pas mon stuff. Je ne sais pas où j'étais. Bah, en tout cas, ici, c'est surtout un test, hein, c'est surtout une balade aussi sur le jeu. On se balade un peu, regardez, il y a tout, il y a aussi les fleurs et tout. On peut passer en game mode, si vous voulez, avant de se quitter. Oui, moi, c'est toujours ça, hein, le mec qui dit qu'on va se quitter, mais en fin de compte, on se quitte pas.
Ça sera toujours moi, hein, il faut me connaître. Jour éternel. Moins des choses que je peux faire. Alors, voilà. Vous avez tout ça. Ouais, c'est comme dans la version machin. Voilà. Bien parce qu'on a déjà ça. D'ailleurs, j'ai compris comment on fait, mais c'est assez spécial. Regardez, je sais pas si c'est même dans la version officielle. Enfin, dans la version Java, je vais vous montrer ça après. Bon, alors, on va ajouter des poufs. Des petits Wookie. Oui, il n'y a pas d'œuf pour les petits. Ah, les petits Wookie. Non, c'est pas un petit Wookie. C'est pas un petit Wookie. Voilà, ça c'est un petit de fou. Voilà. Oh, ma peluche, tu t'es fait mal. Oh, non. Ah, bah oui, mais désolé, petit Wookie. Bonjour, mes petits Wookie. Bonjour. Bon, voilà, donc on a des petits Wookie. Peluches qui sont buggés, hein. Ils sont trop mignons. Ah, ouais, mais moi, les chiens dans Minecraft, ils me font craquer. Sont trop choupi. Ça, je les adore, ces chiens. Enfin, trop mignon. Tiens, ben pour se quitter, on va se faire un. C'est surtout mon kiff à moi. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux. C'est où, là, ce d'ailleurs? Oh, pas bon. Bien petit. Ouais, c'est bon, j'ai assez de Wookie. Donc on va se quitter ici. Et cette fois-ci, c'est sérieux. Attendez. Hop là. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que je fais beaucoup de cafouillis, ça c'est mon défaut. Hein. Après, je vais sûrement m'améliorer. Mais voilà, c'était sympa quand même de faire ce test de vidéo de Minecraft parce que enfin un Minecraft qui soit fluide et en 720 sur mon PC tout pourri dans le sens que c'est la carte graphique. Hein. Après le PC en lui-même n'est pas non plus pourri. Je l'aime mon PC. Bon, voilà, donc je vous dis bye bye. C'était Lumi13. Ah oui, et un jour ou l'autre, je vais sûrement changer mon pseudo de YouTube et mettre Delfish à la place. Donc vous étonnez pas si ce jour-là arrive, hein, parce que sur Twitter et tout, c'est Delfish. Mais le problème, c'est que voilà, enfin, c'est lié à mon compte, quoi. C'est aussi pour ça que les gens ne s'abonnent pas forcément à mes deux comptes en tout cas, parce qu'ils se disent, mais tiens, bizarre, le pseudo est différent. Ben non, en fait, Delfish et Lumi13 et Desna Privé, c'est le même, c'est moi. Disons que j'adore le multi nom. Donc je vous dis à bientôt et bye bye. Vous attendez pas à un truc de fondu de fou, hein. Vous allez tout simplement me voir couper à la voix de Skin comme ceci.